Attendez, mais je reconnais là. C'est une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'y attendais pas, celle-là. Ce qu'elle m'a dit hier. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau mode de jeu. Wizard UHC, développé de A à Z par Elysium. Pendant plus de 2 semaines, on avait accès au mode de jeu en anticipé, uniquement pour mes subs. C'était beaucoup trop cool de leur part, du coup voilà, je tenais à les remercier tout particulièrement. À la manière d'un LG ou d'un Demon Slayer, il va y avoir des rôles qui vont être considérés dans le camp des méchants et des rôles qui vont être considérés dans le camp des gentils. Je vais résumer les règles rapidement pour ceux qui le veulent. À titre personnel, je trouve ce mode de jeu vraiment innovant et je vais vous expliquer pourquoi. Dans Wizard UHC, à défaut que ce soit un UHC simple comme vous connaissez tout le temps, on va avoir la possibilité de pouvoir lancer des sorts grâce à des baguettes magiques. À partir de 20 minutes de jeu, on va avoir notre baguette qui peut engendrer 2 sorts. La liste des sorts est disponible directement en description, il y en existe plein, des dizaines et des dizaines. Les baguettes magiques, je vous en ai parlé juste avant, mais maintenant, parlons un petit peu de la magie. C'est une particularité particulière. Fou comme mot, ça. La magie fonctionne sous forme de mana. Tous les rôles ont en moyenne 100 points de mana. Chaque sortilège coûte du mana. 40, 50, 60, 80, 100. La particularité des sortilèges, en fait, c'est que tout simplement, plus t'as de mana, plus tu peux utiliser de sortilèges. Et il n'y a pas de cooldown, c'est-à-dire que si ton sortilège vaut 20 points de mana, tu peux le spam click 5 fois. Justement, il y a certains sortilèges qui sont très forts avec 90 points de mana, et parfois, ce sera peut-être plus intéressant de prendre un petit sortilège avec 20 points de mana, parce qu'on peut en lancer plein. Tout ça, c'est la stratégie qu'on va apprendre au fur et à mesure de jouer au mode de jeu. D'ailleurs, venez sur Twitch si vous voulez participer au Game Sub. Le premier sort qu'on va pouvoir avoir sur notre baguette est proposé dans le chat directement à l'annonce des rôles. On va avoir le choix entre 2 sorts, et on peut en choisir qu'un seul. Le deuxième, c'est justement en faisant un kill ou en ouvrant des coffres spéciaux. Les coffres spéciaux, parlons-en tout de suite. À partir de 25 minutes de jeu, des coffres vont apparaître sur la map, toutes les 10 à 15 minutes. Il va y avoir des coffres magiques ou des coffres avec des items légendaires. Les items légendaires sont répertoriés aussi dans la description. Dedans, on peut retrouver forcément l'épée de Godric Glyphondor, la baguette de Suro, nanani nanana, la pierre de résurrection, la cape d'invisibilité, enfin bref. Parlons maintenant un petit peu des camps. On a 3 types de camps. On a le camp de l'Ordre du Phénix, qui sont tout simplement considérés comme les gentils, avec Harry Potter, Ron, Hermione, bref, vos personnages favoris. On a le camp des Forces du Mal, forcément représenté par le grand Manitou, Voldemort. Et un 3e camp, le ministère de la magie. Chacun de ces 3 camps est représenté par un représentant. Forcément, un grand Manitou, un mec, c'est le chef, tu vois. Pour l'Ordre du Phénix, c'est Albus. Les Forces du Mal, c'est Voldemort. Et enfin, pour le ministère de la magie, un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas regardé Harry Potter. Je l'ai pas aussi. Je suis un peu nul. Le ministre Cornelius. Pour ce qui est des rôles du ministère de la magie et de l'Ordre du Phénix, certains rôles sont des rôles à info, d'autres ont uniquement un allié qui vont après pouvoir en avoir un autre, bref, on peut retrouver toute la liste des gentils ou du ministère de la magie comme ça. Enfin, pour le dernier camp, les forces du mal, qui sont considérées comme les méchants, le seul moyen de se retrouver, c'est via Voldemort. À la manière de Demon Slayer UHC et du Muzan, Voldemort a accès à une liste de personnes qui sont de son camp. Les personnages présents dans cette liste ont eux aussi Voldemort en tant que maître suprême. Donc ça veut dire que eux, pour connaître toute la liste, ils doivent en parler à Voldemort. Voilà, et Voldemort leur transmet toute la liste, un peu comme sur Demon Slayer. Il y a aussi des rôles considérés comme des lunes inférieures sur Demon Slayer, des rôles du Force du Mal qui n'ont accès qu'à une personne qui, eux, ont accès à Voldemort. Bref, c'est un peu compliqué, mais on va pas trop en parler aujourd'hui parce que mon rôle d'aujourd'hui est un peu incroyable. En tout cas, je vous souhaite une bonne chance pour la vidéo. Profitez bien, c'était Bichard, bisous à tous. Y'a pas un mec qui va faire 15 viewers, tu vois. Sauf si c'est Zerator et qu'il est connu pour autre chose. Bon, le rôle. Nice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Albus, tu fais partie de l'Ordre du Phénix. Tu dois éliminer les forces du mal et du ministère. Je suis Albus Dumbledore, les gars. Attendez, du coup, t'as choisi quoi? Avada Kedavra ou créer une explosion d'un rayon de 4 blocs. Oh, c'est pas ouf, hein. Et vas-y. Je suis Albus Dumbledore. Vous voyez la barbe, là? Vous voyez bien? Est-ce que tu vas te faire chier à faire un montage? Peut-être. En tant qu'Albus Dumbledore, j'ai la possibilité de connaître un seul des membres du trio légendaire. Harry, Ron ou Hermione. J'ai le pseudo, mais j'ai pas le rôle, donc c'est-à-dire que c'est l'un des 3 rôles. J'ai aussi l'identité de Severus, vous vous souvenez de Rogue. Oh putain, ça spoil. Enfin bref, vous verrez au pire. Regardez les films, pourquoi il y a des gens qui n'ont toujours pas regardé Harry Potter, c'est vachement trop bien. J'ai résistance 1 la nuit, j'ai résistance 1 le jour, et j'ai aussi 150 points de mana. Une des capacités un peu particulières avec Albus, c'est que si je récupère la baguette de Suro, je dispose de 5 heures en plus. Et 100 points de mana. Vous vous rendez compte de la dingue que c'est? En 2e capacité, j'ai la possibilité de ressusciter avec 5 cœurs si je me fais tuer par quelqu'un. N'importe qui, en dehors du Seigneur des Ténèbres, de Drago ou de Severus. On a en info que Severus
l'infiltrer parmi les forces du mal et Yumino TV, alors que Harry, Ron ou Hermione est Killmore. On a eu comme info que Call is good et safe avec nous. Luna a découvert ton rôle. Ça va le focus? Heureusement que je suis Albus, hein. Ah, merde. De toute façon, j'étais pas à côté. Par contre, ma baguette fait 22,5 cm à titre personnel, je trouve que c'est pas assez, voilà. Oh, c'est nul. Oh, je suis trop loin. Hein. Leviosa! C'est Hermione qui insiste sur le Leviosa. Ah non, non, justement, Hermione, Leviosa. C'est Killmore. Non. Merde. Harry? Non. Ron. Presque, hein. Ouais. Putain, je savais. Bon. Tu es un sorcier. Cher! Cher! Une des particularités avec Albus Dumbledore, c'est que s'il se fait infecter par le Seigneur des Ténèbres, donc Voldemort, l'infection ne fonctionnera pas. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Voldemort n'en sera pas au courant. Ça veut dire que là, actuellement, Voldemort et tous les autres membres du Force du Mal pensent que je suis infecté avec eux. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous vous rendez compte de la stratégie de ouf que ça peut créer là? Mon objectif est simple, avoir toute la liste pour essayer de gagner avec l'Ordre du Phénix. Pourquoi vous restez loin? Moi, je sais pas. Combien de taille ta baguette? On a le droit de le dire, ça oui, rien à voir. Oui, ça rien à voir. Ça peut être okay. Quoi, non 27. Et pourquoi je l'ai la plus petite? Quelqu'un a 22? 35. Combien? Quelqu'un combien a moins que 22? Bon bref, je vais au 0. Hein. Ouais. Du coup, on sait. Attendez, on connaît un méchant, d'accord, on est d'accord. Bibi. Ah bah oui, du coup, oui. Oh putain, mais on a le croisé, je suis dévasté. Oh là là, mais il était au même endroit que tout à l'heure, ça gave. C'est l'épée du légendaire Godric. C'est qui l'a eu au fume? Oh, c'est. Moi j'ai eu l'artefact. Bish? Oui? Tu veux venir avec moi deux secondes, s'il te plaît? Non, c'est bizarre. T'inquiète, non, juste avec Bish. Tu l'utiliseras mieux pour. Mais comment tu sais que je suis. Bichard, ça va? Oh, ouais, Bichard, tu l'as volé. De quoi? L'épée. J'ai pas volé l'épée. T'es sûr, Bichard? Ah oui? Oh, Lito, j'y crois pas. Écoute, Takemicho, tu fais confiance à Bichard? Pas spécialement. Bah, pourquoi tu me. La peau. Je pense que j'ai le professeur Trelawney. Professeur, lequel? C'est qui du coup? Si, je crois que c'est Paulo Zemi. Alors qui ça? Sur le premier coffre parce que vraiment. Non, c'est quoi son bien, rôle? Bien trop avant tout. Son deuxième pouvoir, c'est qu'elle peut une fois dans la partie avoir les coordonnées. On est proche. On n'a pas de chance, hein, vraiment. Elle a accès au coffre en avance. En fait, elle a accès aux coordonnées du coffre en avance. Oh, nice. La faille, en fait, elle était 20 blocs plus bas. Et vous faites confiance ou pas tous les deux? Non. Non, non. Non, pas vraiment. Et toi, t'as confiance en moi? J'ai confiance possiblement toi, possiblement Paulo Zubi, possiblement en d'autres personnes aussi. Il est mort? Ouais. Ça va, mec? Bah ouais, toi. Ça te dirait de rester avec moi? Si Jarfi veut venir, ouais, pourquoi pas. Je t'accueille. C'est bon. Ah, Jarfi, tu veux qu'il vienne? Ouais, il vient, 100%. Oh. Ok, ok. Cher, juste avant, je peux te parler vite fait? Mais non, je suis pas mieux. Quoi? Tu pourras me dire, s'il te plaît? De quoi? C'est que tu sais que je sais. Bah non. Je connais ton rôle. Oui, bah moi aussi. Mais oui, mais du coup, t'as pas quelqu'un d'autre? Il est mort. Ah, d'accord, super. Et non, c'était juste ce que je voulais savoir. Il est mort et Ron. Ok. J'essaie juste de mettre à... De mettre à l'écart, en fait, j'ai envie que Voldemort me rejoigne et me dise « Salut, c'est moi qui t'ai infecté, j'ai envie qu'il me passe la liste et je vais le baiser. » Bah, je capte Babiche. Ok, je vais rien dire. Qu'est-ce qu'il y a envie? Il a 60 ans, je suis désolé. Il a dit Babiche et je lui ai fait « Non, arrête !» C'est qui les deux autres? Les deux autres de quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Yumino? Tous les gens qui te disent « Non, j'ai personne de confiance », soit ils sont dans l'info, soit ils sont méchants. Eux, ils sont gentils. Ouais, ouais. Les trois. Ouais, on est juste des fanboys. Est-ce que t'as 100% confiance en Jarfi? Ouais, 100%. Genre 1 million. La seule possibilité, c'est qu'ils soient infectés. Ok. Voilà. Alors je vais vous révéler une dinguerie. Bah je vais te dire son rôle même carrément, Jarfi carrément. Vas-y. C'est Hagrid. Des lignes. Okay. Il faut que vous me trouviez Seigneur des Ténèbres. En fait c'est moi qui me suis fait infecter, sauf que comme je suis un rôle qui ne peut pas compris. Se faire infecter, oh, bah il pense que je suis infecté. Yes. Mais du coup lui il est à 1000% gentil du coup. Et du coup c'est qui le troisième qui m'en a donné les cas? Yumino et moi j'ai toi. Ah mais t'en as qu'un sur les trois? Bah oui. Ah d'un des membres. Oh, ouais, ah non. Et le deuxième, celui que j'ai c'est pas l'un des membres. Ah ok. T'as pas son rôle. Ah, si je te donnais, si j'ai son rôle. Ok, c'est mais qui toi? Ah, je sais pas moi, si je viens de me le dire. On est en moins, hein, c'est là. Hein. Ok, attendez, j'ai vu. C'est à côté ça. Bah, qui l'aurait? Ah, ouais, tu penses? Ouais, je vois le coffre juste là. Ah merde, je suis descendu. Ah, à moi. J'avais deux cœurs. J'ai pris des dégâts gratuits. Nice. Ah, mais attends, il était dans le groupe des. J'ai tombé, j'ai plus de gap. C'est fou parce que ce rôle solo ne fait jamais rien. Ah non, c'est solo.
Oui. Tu peux venir avec nous du coup? Non. On te fait confiance, on a des méchants. Oui, mais. Non, je traîne tout seul. Salut. Ça va toi? Ça va et vous? Tu m'as fait 10 pieds. T'as des infos toi, Bich? Pourquoi il y a. Non, justement, je cherche quelqu'un. Richard, t'as confiance au groupe derrière? Non, non. Professeur N'Golan. C'est pas possible de pas savoir lire comme ça. Professeur N'Golo Kanté, gros. Non, c'est moi, mais y'a un gars sous les armes. Moi, je m'y sors bien, quoi. Ça va, ça va. J'ai cru entendre que quelqu'un dit j'étais peut-être méchant. Moi, c'est des suppositions. Ah, ok. Okay. C'est qui le mort, hein? Ouais, bah, je sais, j'ai reconnu. Vous voulez pas qu'on descende au pire? Moi, j'ai confiance en vous. Moi, je vais pas le rôle, hein. Là, en face. Il y a quelqu'un. Ouais, Vivi. Ouais, c'est lui. Il a blindness. Bon, bah, Richard, ils sont moins gentils du coup. Je pense qu'il. Mais non! Pardon. Je peux lui lancer un sort, mais ça va lui faire. Non, non, fais rien, fais rien. Oh le malaise. C'est qui me lance les sorts là? Quand on a mal. Nivek? C'est Nivek. Nivek, mais j'ai pas dit. Si, tu t'es arrêté pour eux. Mais je voulais lancer des trucs. Mais j'ai 100 de mana encore, je peux utiliser un sort si tu veux devant toi, j'ai 100 de mana. Bah, ça veut rien dire, mais tu t'es arrêté pour lancer un sort, hein. Ah non, mais moi j'étais trop loin, t'as bougé. Tiens, Richard. Oula, y'a du bleu qui est mort là. Fais un groupe à 3, Richard, du coup, au moins. Non, je reste tout seul, j'ai vraiment besoin de. Ouais, pas de soucis. Moi je viens d'où, Bichard? Bichard, tu t'es tiré dessus. Y'a un méchant là, c'est bien. Pardon. Vous avez tué Cornelius? On a formé, on a tué les trois là. C'est beaucoup plus intéressant quand c'est équilibré en tout cas. Vraiment. J'ai l'impression que la game est encore pas mal serrée, genre. C'est hyper intéressant. C'est toi qui as tué Loena à vous? Non, justement. Pourquoi t'as une flèche? J'ai une flèche sur la tête. Regarde, ça va être vraiment une flèche sur le Bichard, ça va. Bichard, ça va, il stresse les animaux exotiques. Bichard, là, il stresse là. Ouais. C'est vous que vous me cherchez? Comment? Non, y'a des rochers derrière. Qui me cherchait? Régulus. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que tu viens de dire, j'ai pas tué Bellatrix, justement. Non, non. Viens avec moi, toi. Ouais. Top 10 inhumain. Mais tu m'entends? Oui, oui. Ok, c'est bon. Bichard, t'es safe ou pas? J'aimerais discuter avec lui de manière seule. Ok, y'a pas de soucis. Merci. Par hasard, t'as d'autres infos sur d'autres personnes? Pour l'instant, non. T'as eu que moi? Ouais. Mais genre, là, je peux faire d'autres, genre... T'as ta capacité? Ouais. Test sur Picard officiel. Attends, dis rien. Ok. Si mec, tu m'entendais, t'as pas 50 blocs, mec. Vas-y, dis-moi. Il est gentil. Putain. Vous avez pas quelque chose à me dire, vous? Quelqu'un a quelque chose à me dire, mais il veut pas venir me le dire. C'est embêtant, ça, quand même. Mais oui, hein. Alors t'as très beaux yeux, je sais pas si c'est ça, mais... Merci, mais ouais. Je vois de quoi tu parles, mais... Tu vois de quoi je parle? Je pense. Bah ouais, c'est chiant, mais t'es bloqué en fait. C'est le mode de jeu, c'est que si la personne vient pas te voir ou tu viens voir personne... Viens. C'est que moi, viens. C'est qui que je dois aller voir? Non, mais non, il y a quelqu'un derrière. T'inquiète. Ah. Qui tu dois aller voir? Oui. La personne en question? Ouais, tu sais c'est qui? Bah, il est pas au zéro, je pense. C'est qu'il est pas arrivé direct, lui. De qui? Du chat. C'est toi que j'attends depuis tout à l'heure? Non, c'est pas moi, mais j'ai l'info. C'est PL Grof. Ok. Vous avez la liste? Bah oui. Ouais, vas-y, attends, je peux te la donner. Hop. Je suis désolé. Hop, putain, j'ai des morts de merde. Non, attends, mais c'est Mino, non? Il y a des inférieurs, hein. Ouais, mais les inférieurs, je les connais pas. Yumino, c'est. Non, Libino, c'est bien qu'il soit mort, Yumino. Ouais, c'est vrai. Ah, je viens de voir que la personne que tu cherches n'est plus des nôtres. Oui. C'était bien lui que tu cherchais, on est d'accord. Oui. L'objectif est réussi, j'ai la liste des méchants. C'est trop bien. On a déjà un move de ouf sur ce mode de jeu, c'est incroyable. Je vais pouvoir retrouver mes alliés pour essayer de les trahir. Ah bah, pas le choix. Moi, faut que je tue Hermione à tout prix. Voilà. Et pourquoi t'avais isolé Cole? C'était pour le fumer? Non, non, parce que j'avais une info sur lui. Ah, il est safe? Ouais. Qui ça qu'on peut éclater? Cole. La baguette de Suro, elle est pas parmi vous deux? Non, malheureusement. Moi j'ai un cookie. Est-ce que vous savez qui est Neville? Non. Ah oui, ok, tu le cherches pour. Ah oui, mais du coup t'es inférieur. Non. Non, il est pas inférieur. Et Cole, il est quoi du coup? Luna. Ok. Oh putain.
Ça se trouve, il nous suivait. Hein. C'est invisible? Oui, il peut devenir invisible. Il y a des gens à droite. Coucou Bichard. Salut. Bichard, t'as confiance en ton groupe là ou pas? Ouais, en vrai, je pense, ouais. Tout le monde a confiance. Non, non, mais... Ouais, il y a un monde là. Il y a trop de gens là, les gars. Il y a trop de gens. Ah bah tiens. Bande. Ouais. Toi, quand t'es par hasard, t'as pas la baguette de sureau? Non. Si je l'ai, je suis un tueur. Ok. Bah, on l'a récupéré. Et on y va. Vous savez qui l'a? Pendant 9 minutes, non, pas du tout. Le groupe qui est là vient juste de buter Collard, hein, si jamais. Au c'est vrai? À l'instant. Ouais, c'est ceux qui ont buté George aussi. Mais c'est des safe à skip. Mais quoi? Mais pourquoi ils butent tout le monde? Genre, ils ont buté 2 rouges et 3 bleus. Et... La verre, par hasard, t'as pas la baguette de sureau, mec? Quoi? Parce que si je suis intuable, si je l'ai. J'ai pas eu un seul coffre. Vous savez qui a la baguette de sureau, s'il vous plaît? Pas du... Si quelqu'un a la baguette de sureau, est-ce qu'il pourrait s'identifier à moi? C'est qui? Ah! Mahmoud! Tu sais où il est? Là-bas. Bah, il est là. Là. Mahmoud! Bon, il y a tout le monde là en fait, il y a toute la gueule. Mahmoud! Viens, faut qu'on aille discuter. Mais où c'est? Ok, mais viens avec moi! Non, viens avec moi! Écoute-moi, Mahmoud, t'as un move à faire aujourd'hui, là maintenant, c'est de me passer la baguette de sureau, mec. Je rigole zéro. Attention, il y a du monde. Je rigole pas. Rigole attends, pas. Attends, tu peux partir s'il te plaît? Moi j'ai donne, un truc rigolo, drop. On s'en fout, donne-lui. C'est vraiment le. Bon, bah. Monde, les gars, là. Ils attaquent par contre là. Non, ils sont safe. Là, ils viennent avec. Non, ils sont pas safe, Bichard. Ils sont pas safe. Non, attendez, je vais passer Jarfi. Bichard, les gars, je me fais back. Mais pourquoi t'as attaqué? C'est un roleplay Macron. Il y a trop de gens là, non? Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Bichard, on est trop en secours, Bichard, s'il te plaît, c'est moi. Oui, t'inquiète, je t'aide. Les mecs, on est trop là. Vas-y, sors-toi. Quoi? Hein? Mais t'as fait qui? J'ai envie de tous les taper, frère. Attends, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a mis le mec. Les groupes, les gars, mais non, mais vous. Non, mais. Et les autres, ils étaient en train de faire leurs empêtes à côté, frère. T'en peux plus. Attends, mais. Ah, mais je peux pas. Ta gueule. Bien joué. Je comprends pas, Michel. Un vacadabra, c'est pas réservé aux yeux méchants, hein, les gars. Et sachant qu'on vient de le tuer, le méchant, quoi. Les gars. Charpy, on est. Oh non. Oh non, c'est terrible. Je veux bien des gaffes, je vais pas te mentir. Par contre, il y avait beaucoup de méchants qui nous ont attaqué, mais je sais pas si on les a tous tués. Hein. Et je crois que Jarfi en a pas, ouais. Ouais, j'en ai une. Ouais. C'est quoi? Et quoi? On explique quoi? On vient de tuer Lucius et Alastor. Vas-y. Bah si, oui. C'est quoi ça? Moi je l'ai. C'est quoi ça? C'est trop bien. Tu le vois aussi? Eh, t'es tout. Oui! T'es trop beau comme ça. Oh, t'es grand tout à l'oum. Je suis Jaro, c'est déjà assez, non? Frère, je pense qu'on me voit assez de loin. Ouais, dans les séries, en fait, c'est le gars. Bon, j'ai la liste, hein. Ouais, dis-nous. Méchant? Ouais, Lewan, Nivek. Bah voilà, ouais, voilà. Donc il te mettait bien des sorts dans le dos. C'est qui Harry Potter et Hermione, là? Je sais pas, justement. Bah moi non plus. Mais du coup, quand tu m'as posé la question, c'est vraiment par rapport à ton rôle et j'ai vraiment répondu premier degré, hein. Oui, je sais, mais je sais. J'avais une choix entre trois, donc Ouais, bah j'aurais pu dire non à chacun. Ah, à droite. Faut s'avouer, il est méchant, non? Ah ouais, il est méchant. Indra. Ouais, du coup, oui. Ah, descends. Indra, il s'est fait vague à des grades d'abri. Ah, je vois rien, moi. La première fois, s'avouer, il va mourir. Ah, je suis mort. T'inquiète. Oh, le MLG! J'ai MLG dans lui. Chuc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 h
je veux tout méchant, frère. Ah, non, Bichard, c'est Bichard, c'est Bichard. Non, ouais, je vous aide à tuer, les gars. C'est faux. Mais on est ensemble, mon Dieu. Non, on est pas ensemble, hein. Mais enfin, tu es. Qu'est-ce qu'il a raconté, l'autre, quand même, hein? Ils sont ensemble, regarde. Mais enfin, d'accord. Bah, je pensais que t'étais infecté, mais bête. Ah, mais ça fait deux games qui me tuent, elles sont mes deux games. Je vais péter un câble. Ah, mais t'es encore là, toi? T'as fini de me stalker? Bah alors, ça s'est mal passé, frérot. Ah ouais! GG! Non, c'était incroyable! GG! J'ai vraiment fait plein de kills! Hein? Ouais, j'étais Albus! Albus Dumbledore! Attends, j'ai Albus! T'as qui en par contre? Et du coup, Albus peut pas se faire infecter! C'est qui ma meuf? Ah, c'est trop bien! Du coup, tout le monde pensait que j'étais infecté, ouais! Il y a aussi des rôles considérés comme les lunes infirmières. Oula! Pas infirmières, infirmières. Oh là!